هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Comme vous le savez tous et toutes, dans quelques années, peut-être dans quelques minutes, le jour devra venir. Le jour où on va rencontrer Malak el-Maut, l'ange de la mort. Comme beaucoup de personnes qu'on a vues sur le lit de mort, le visage devient bleu. Il commence à être choqué, touché par une panique. Fawarab bil Kaaba, qui n'a jamais vu et rencontré, ressenti tout au long de sa vie. Il verra sa famille, ses proches, son épouse et ses bien-aimés à côté de lui. À ce moment-là, Fawarab bil Kaaba, quand ton âme sera entre les deux clavicules, tu vas te remémorer tout ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie. Le plus important, c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Est-ce que ta maison, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas? Ou c'est simplement trois linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est tes actions? Ou bien c'est ta famille et tes biens? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit: quand l'enfant d'Adam meurt, trois choses le suivent dans la tombe. Deux reviennent et une seule chose reste. Tes actions restent, ta famille et tes biens reviennent. Et quand tu te retrouveras dans la tombe, ya Abdallah, et que ton âme sera remise dans ton corps, et à ce moment-là, il y a deux anges qui vont venir, Munkar wa Nakir, et ils te poseront trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Madinuk, quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? Ista'idu billahi min adab al-qabr. Ista'idu billahi min adab al-qabr. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الإخوة والأخوات. Comme vous le savez tous et toutes, dans quelques années, ou disons dans quelques mois aussi tu veux, peut-être dans quelques instants, na'am, peut-être dans quelques minutes. Comme vous le savez tous et toutes, ce jour devra venir, le jour où on va rencontrer Malak el-Maut, l'ange de la mort, où on va rencontrer des anges. Mais quel type d'ange? On va le voir. Le jour où on va rencontrer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, soit Allah sera satisfait de nous, soit Allah sera satisfait de nous, ou soit Allah sera en colère de nous, soit Allah sera en colère contre nous. Ce jour-là, ayyuhal ikhwat wal akhawat, peut-être dans quelques instants, dans quelques jours, tu te retrouveras peut-être ici allongé sur un lit d'hôpital, alors que peut-être tu as des richesses, tu as des millions, tu as des milliards, tu as des maisons, tu as des demeures, tu as des lits, tu as. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle cette parole. Alors, lors de tes derniers instants, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et vers Allah se fera le retour, même le lit dans lequel tu es. Lors de tes derniers instants, peut-être il ne t'appartient même pas. Allah te rappelle qu'il n'y a rien qui t'appartient, que même toi tu ne t'appartiens pas à toi-même. Car nous sommes tous et nous appartenons tous à Allah. Et vers Allah Azza wa Jal se fera le retour. Dans quelques instants, dans quelques jours peut-être, peut-être ton visage deviendra bleu. Comme beaucoup de personnes qu'on a vues sur le lit de mort. Le visage devient bleu. Il commence à être choqué, touché par une panique. Fawarab bil Kaaba, qui n'a jamais rencontré tout au long de sa vie. Qui n'a jamais vu et rencontré, ressenti tout au long de sa vie. Il verra sa famille, ses proches, son épouse et ses bien-aimés à côté de lui. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé et aura décrété que le plus grand des exorciseurs, le plus grand des médecins, le plus grand des riches, la plus puissante des armées ne pourra pas venir à ton aide. À ce moment-là, Fawarab bil Kaaba, quand ton âme sera entre les deux clavicules, tu vas faire et tu vas te remémorer ici tout ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie. En quelques instants, ya Abdallah, ya Urtil Ghaliya, tu vas te rappeler et tu vas te souvenir que tout ce qui s'est passé dans ta vie n'était que éphémérité et que la chose qui va t'aider et t'accompagner, c'était la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, trop tard, si tu as été parmi les insouciants, à ce moment-là, l'homme arrivera entre les deux clavicules et tu verras ta famille, tu voudras parler, tu ne pourras pas parler avec ta bouche. Tu voudras dire ce que tu ressens, walakin tu ne pourras pas, car là tu commences à t'approcher d'un monde intermédiaire. Un monde intermédiaire qui a été cité dans le Coran al-Karim, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en le citant, « Hatta idha ja'a ahadahumul maut » Et quand la mort touche l'un d'entre eux, « Qala rabbi rji'un » Ya Allah, remets-moi sur terre, « La'alli a'malu saliha fima tarak » Peut-être que je ferai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. « Kalla » Mais non, innaha kalimatun huwa qailuha, ce n'est qu'une parole vaine. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah l'a cité, ce monde intermédiaire.
Et il dit, mais non, mais derrière eux, il y a Al-Barzakh, le monde intermédiaire entre cette vie, et l'au-delà. C'est le moment où tu es dans le qabr, dans la tombe. Wa min waraihim barzakhun, jusqu'à quand? Ila yawmi yub'athun, jusqu'à ce qu'ils ressuscitent. Ce monde-là, ayyuhal ahibba, c'est la première station parmi les stations de l'au-delà. Quand Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, se positionnait à côté d'une tombe, se mettait debout devant une tombe, il pleurait comme jamais il ne pleurait, même quand il se rappelait de l'enfer et du paradis. Rapporté par Al-Hakim et Ahmed et d'autres, et jugé bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, il est rapporté que Uthman se positionnait devant une tombe et il se mettait à pleurer. Et les compagnons lui ont dit, ya Uthman, comment ça se fait? Idha dhakarta al-jannata wan-nar, lam tabki, quand tu te rappelles, quand tu te souviens, quand tu évoques le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas, on t'a pas vu pleurer. Walakin, quand tu te trouves devant une tombe, tu penses à la tombe, tu te rappelles de la tombe al-qabr, al-barzakh, le monde intermédiaire, ayyuhal al-ahibba, qu'on va rencontrer, tu te mets à pleurer. Il a dit, qad sami'tu rasulallah alayhi salatu wassalam. Il dit, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, la première demeure, la première station concernant les stations de l'au-delà, c'est le qabr. C'est la première demeure qu'on va rencontrer. C'est ça ma maison. C'est ça ta maison, ya Abdallah. C'est ça que tu vas être, ou dans cet endroit où tu vas être, où tu vas vivre peut-être pendant des milliers d'années, en attendant le jour de la résurrection. C'est cette maison, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Il se mettait à pleurer et il a dit, avec une traduction approximative, pour celui à qui cette demeure aura été facile, ce qui viendra après ne peut être que encore plus facile. Et pour celui dont la demeure ici, ces étapes de cette demeure seront ou auront été difficiles, ce qui viendra après ne pourra être que plus difficile encore. Wal'iyadu billah. Uthman ibn Affan se mettait à pleurer, car il savait très bien que cette demeure, ayyuhal ahibba, c'est la demeure qu'on va tous rencontrer et toutes rencontrer. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle, ayyuhal ahibba, que le plus important ce n'est pas les demeures, que le plus important ce n'est pas l'argent, que le plus important ce n'est pas les voitures. Walakin, c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Et billahi alayk, qui va dire le contraire? Est-ce que ta maison, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Disons simplement, la porte de ta voiture, même de façon concrète et pas abstraite, elle ne rentrera même pas dans une tombe. Peut-être que la porte de chez toi, juste la porte, je ne parle même pas des salons que tu as, des chambres, des meubles, walakin, juste la porte de chez toi, qui fait peut-être 1m70 ou 2m sur 70 cm, ne peut même pas peut-être rentrer dans une tombe comme il se doit. Et toi, tu penses, quand tu vis dans cette vie d'ici-bas, tu t'accroches tellement au plaisir de cette vie d'ici-bas, en pensant peut-être que tu vas ramener avec toi cette demeure. Même si les gens nous disent, wallah, je le sais, walakin, ils ne le prouvent pas. Au contraire, ils prouvent le contraire, malheureusement, à travers leurs actions. Quand ils s'accrochent à leur demeure, aux constructions, à leur voiture, wallahi al-adim, ils préfèrent leur voiture, certains, illa man rahim Allah, et leur demeure pour d'autres, et la construction ou les constructions pour d'autres, et des terres pour d'autres, plus que l'amour d'Allah et de l'au-delà, wa la hawla wa la quwwata illa billah. As-tu oublié que ça, ça rentre même pas dans ta tombe? Même si tu mets dans une wasiyya un testament, moi je veux ma maison avec moi dans ma tombe, moi je veux ma voiture avec moi dans ma tombe, moi je veux ceci avec moi, wallahi, même si tu ordonnais qu'on le fasse, on pourrait pas le mettre dans ta tombe. Pourquoi? La tombe, c'est quoi ses dimensions, ayyuhal ahibba? C'est quoi sa largeur? C'est quoi sa profondeur? Est-ce que ici la tombe c'est fait de tapisserie, de belles lumières éclairées, tamisées, ou est-ce que la tombe c'est 4 blocs de terre? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas, ou c'est simplement 3 linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, ayyuhal ikhwat wal akhawat, c'est tes actions, ou bien c'est ta famille et tes biens? Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, et jugé bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il dit, quand l'enfant d'Adam meurt, 3 choses le suivent dans la tombe, 2 reviennent et 1 seule chose reste. C'est les 3 choses que le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt les 3 choses que le prophète a citées, c'est les biens, les enfants et ici quoi? Les actions, al-a'mal. C'est ta famille, c'est tes biens et c'est ta famille et c'est tes actions. Le prophète a dit 2 reviennent. C'est quoi qui revient? Tes actions, abadan. Tes actions restent, ta famille et tes biens reviennent. C'est ça qui va t'accompagner dans ta tombe, ya Abdallah. Est-ce qu'on a oublié cette demeure pendant qu'on marche sur la surface de la terre? Ça, c'est un signe, simplement le fait de marcher sur la surface de la terre. Pourquoi? On est en contact permanent avec la terre, qui est notre dernière demeure. Avec la terre, ou plutôt qui est notre prochaine demeure. Qui est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Qui est la première station parmi les stations de l'au-delà. Walakin, avec cela, fa rabbil ka'ba illa man rahim Allah, on a tendance à oublier beaucoup, beaucoup le maut, beaucoup le qabr, beaucoup l'akhira. Et c'est pour ça que le prophète a dit, kafa bil mauti wa'idha. La mort suffit comme exhortation.
Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akthiru dhikra hadhi min ladhat, augmenter le rappel, il n'a pas dit de temps en temps, augmenter, ça doit être régulier, ça doit être même journalier, wal ikhwat wal akhawat, le rappel du destructeur des plaisirs. Ils ont dit c'est quoi? Il a dit al-maut, la mort, qui détruit tous les plaisirs, qui rend ici tous les plaisirs amers. Parce que si tu te retrouves dans ton lit d'hôpital et qu'on te ramène les meilleurs des plats, les meilleurs des gâteaux, les plus grandes des richesses, on te dit tu as gagné les plus belles des demeures, les plus belles des voitures, est-ce que cette belle voiture va être amère? Est-ce que cette belle demeure va être amère pour toi? Est-ce que t'en voudras de cet argent? Est-ce que t'en voudras de ces demeures? Wallahi, tu voudras pas. Pourquoi? Elles auront un goût amer. C'est quoi qui a rendu amer ces belles choses, ces plaisirs de la vie d'ici-bas? Al-maut, la mort, ce qui va te séparer, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, de ta famille, de tes parents, de tes enfants. Al-maut, on a tendance à l'oublier, alors que le prophète l'a décrit comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette monseba? Car Allah l'a cité, il a appelé monseba la mort, ce malheur. Mais la plus grande des monseba, c'est ce qui vient, ma'adha ba'd al-maut, ce qui vient après la mort. Et dans le hadith, selon Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit comme il se doit ce qui va se passer. Écoute bien, ya Abdallah, si tu veux savoir ce qui va se passer quand ton âme va quitter, ou même au moment où ton âme va quitter ton corps, écoute bien selon hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle d'abord de al-mu'min, le croyant, Allahumma ja'alna minhum. Et ensuite il parle de al-kafir, ici celui qui est sorti de l'islam, ou qui a une autre religion que l'islam, ou qui était parmi les insouciants, parmi les pervers, parmi les égarés, qui Allah a décidé qu'il sera châtié en enfer, wa l'ayyadhu billah. Awalan al-mu'min, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ici, quand l'âme va arriver entre les deux clavicules, quand la personne sera sur son lit de mort, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Malak al-Maut, l'ange de la mort, et avec lui des centaines et des milliers d'anges. Quand ils vont descendre, et tu les verras, ici, ils seront tellement nombreux qu'ils seront à une distance d'où porte ton regard. Ils seront tellement nombreux. Il y aura Malak al-Maut à côté de toi, et il y aura les anges à côté de toi. Et ici, Malak al-Maut, ici, il va ordonner à cette âme de sortir par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et cette âme va sortir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dira, oh toi âme pure, sors pour rejoindre l'agrément et le pardon de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, l'âme elle va sortir. Elle va sortir comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, aussi facilement qu'une goutte qui coule de son outre, facilement. Malak al-Maut va prendre cette âme, à peine il va saisir l'âme, les anges al-Malaika, envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, avec des linceuls du paradis, avec du musc et du parfum du paradis, dont ils auront une odeur dont tu n'as jamais senti. Ils descendront avec des muscles du paradis, avec du parfum et des linceuls du paradis. À peine Malak al-Maut il va prendre l'âme, eux ils vont prendre l'âme. Ils vont la prendre et ils vont te mettre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, dans des linceuls du paradis. Ils vont te mettre du parfum du paradis. Et à ce moment-là, ils vont monter vers le premier ciel avec toi. Et avant d'arriver au premier ciel, ils vont rencontrer des groupes d'anges. Et les anges diront, mais qui est cette âme pure? Quelle est cette belle odeur? Et là, le malaïka, ils vont citer tes meilleurs prénoms que tu as eus ou par lesquels tu as été cité ici-bas. Et ils diront, c'est Foulan ibn Foulan. C'est Foulan ibn Foulan. Il est voué au paradis, cet homme-là, yu al-ikhwat wa al-akhawat. Celui-là a sacrifié pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Il a compris que cette vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, ce n'est rien du tout. Ils diront, c'est Foulan ibn Foulan. Et ils monteront avec toi jusqu'au premier ciel. Et au premier ciel, il y aura le malaïka. Et ils demanderont l'autorisation. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut entrer? Et ici, ils diront, na'am, vous pouvez rentrer. Et là, à ce moment-là, au premier ciel, d'autres anges s'empareront de ton âme, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ils monteront avec toi au deuxième ciel. Et ensuite au troisième, et ensuite au quatrième, et ensuite au cinquième, ensuite au sixième et au septième. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal dira à ces anges qui auront toi, ton corps, dans des linceuls du paradis, avec at-tib, du parfum, avec du musc du paradis, il va dire, consignez son livre dans ce qu'on appelle al-illiyin. C'est un livre cacheté, ayyuhal ahibba, pour les pieux et les vertueux. Et ensuite, à ce moment-là, ya Abdallah, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de faire redescendre ton âme jusqu'à ta tombe, al-qabr. Al-qabr, tu retourneras dans la tombe. Et quand tu te retrouveras dans la tombe, ya Abdallah, et que ton âme sera remise dans ton corps, les anges te feront asseoir. Et à ce moment-là, il y a deux anges qui vont venir, Munkar wa Nakir, et ils te poseront trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Madinuk, quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? Et le croyant, ayyuhal ahibba, qui aura été raffermi par Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, je ne dis pas n'importe quelle personne, le croyant, car Allah les a appelés les croyants,
qui se sont accrochés à la prière, qui se sont accrochés à zakat, qui se sont accrochés au bon comportement, qui ont voyagé à travers les versets coraniques, à travers les hadiths prophétiques, qui ont délaissé les plaisirs de la vie d'ici-bas, quant au moment où, à partir du moment où ces plaisirs les faisaient glisser du droit chemin, ces gens-là, yu al-ahibba, Allah Azza wa Jal les a raffermis non seulement ici-bas et dans le delà. Car Allah dit dans le Coran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par la parole ferme, La ilaha illallah, ici-bas et dans le delà. Et ils diront, Rabbi Allahu haqqa, mon Seigneur est vraiment Allah Azza wa Jal. Ma religion est l'islam. Pourquoi il dira ça facilement? Ce n'est pas n'importe quelle personne qui le connaissait par cœur, non. Walakin, c'est le fait que tu as vraiment aimé Allah qui te permettra de dire Rabbi Allahu haqqa. Pas tous les gens pourront dire Rabbi Allahu haqqa, même si tu l'as reconnu ici-bas. Mais si tu as délaissé son sens et tu n'as pas mis en application cet amour et tu n'as pas prouvé cet amour, Fawarabbi al-Ka'ba, tu ne pourras pas dire Rabbi Allahu haqqa. Ceux qui ont aimé Allah, qui se sont soumis au commandement divin et prophétique diront, mon Seigneur est Allah. Ils diront, Madinou, quelle est ta religion? Ceux qui ont suivi l'islam, les prières à l'heure, ils se sont accrochés à la mosquée, ils étaient fiers d'être musulmans. Ils ne se sont pas fait avoir par Iblis, la'anahullah. Ils ne se sont pas fait avoir par les shayatins, al-din wal-ins, humains ou leur djinn. Ils ne se sont pas fait avoir ici par les plaisirs de la vie d'ici-bas. Ils diront, ma religion c'est l'islam, avec toute fierté. Ensuite, ils lui poseront la troisième question. Et ça seulement, fawarabbi al-Ka'ba. Les gens qui se sont accrochés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils entendaient qala rasulullah alayhi salatu wassalam, ils disaient sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Ceux-là diront mon prophète est Muhammad alayhi salatu wassalam. Ces gens-là fawarabbil Ka'ba, ces gens-là ayu al-ahibba, ce sont eux qui auront réussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera, écoute bien, qu'on élargisse la tombe pour eux et qu'on leur ouvre une porte vers le paradis. Et ils sentiront ici l'odeur du paradis. Et ils diront, Ya Rab, aqimis sa'a, fais venir l'heure. Ya Rab, fais venir l'heure. Allah Azza wa Jal emmènera un homme qui inspirera le bien, et qui viendra vers eux, avec un beau visage et une belle odeur. Ils diront, qui es-tu? Tu es qui toi? Tu inspires que le bien? Il dira, Ana amaluk, moi je suis tes actions. Moi je suis ta prière de la nuit. Moi je suis tes obéissances envers Allah. Moi je suis le bien que tu as fait. Moi je suis tes aumônes. Moi je suis tout le khair que tu as fait fi sabilillah. Allah Azza wa Jal va concrétiser toutes ces actions sous la forme d'un bel être humain qui va venir t'annoncer la bonne nouvelle. Il va te dire Abshir, réjouis-toi, il va t'annoncer la bonne nouvelle, ya Abdallah, et voilà que tu seras dans un jardin parmi les jardins du paradis, et tu diras, ya Allah, fais venir l'heure pour que je rejoigne mes proches, mes bien-aimés, mes amis. Tu auras hâte de rentrer au paradis bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Celui-là a réussi contrairement à l'autre. Le prophète en a parlé de l'autre tout de suite après, et dira amma al-kafir, concernant l'autre personne, Allah subhanahu wa ta'ala enverra malak al-maut, et il enverra les anges wal-iyadu billah, avec des habits grossiers wal-iyadu billah, avec des odeurs qui sentent mauvais, une puanteur wal-iyadu billah, encore plus mauvaise que toutes les plus mauvaises odeurs que tu as senties sur la surface de la terre. Et ils viendront vers toi, et la malak al-maut dira, oh toi âme répugnante, sors d'ici, sors. Et l'âme, elle prendra la fuite dans le corps jusqu'à ce qu'Allah va lui ordonner de sortir et arriver entre les deux clavicules. Et là, à ce moment-là, elle aura du mal à sortir. Et c'est pour ça que tu vois des gens qui souffrent énormément. Et qui souffrent, wal'iyadu billah. Car Allah Azza wa Jal a commencé et a hâté leur châtiment au moment de Sakarat et wal-Kurubat. Car ils sont partis, ils ont quitté ce monde avec beaucoup trop de péchés, wal'iyadu billah. Beaucoup trop d'actes de désobéissance, wal'iyadu billah. À ce moment-là, ici, l'ange de la mort lui dira, sors. Et ici, elle sera arrachée violemment, wal'iyadu billah. Elle sera arrachée violemment et l'âme sortira. Et là, à ce moment-là, à peine Malak al-Maut, l'ange de la mort, aura pris l'âme, le Malaïka, ils vont prendre l'âme, ils vont la saisir, ils vont lui mettre les habits grossiers, wal'iyadu billah, qui ont une mauvaise odeur, qui sortent, ou plutôt qui ont une mauvaise, une odeur très très désagréable, et ils vont vouloir monter avec elle. Au premier ciel, simplement. Ils n'iront pas jusqu'au deuxième. Fawarabbi al-Ka'ba, ils n'iront pas jusqu'au deuxième avec lui. Et pendant leur chemin, pour arriver au premier ciel, ils vont rencontrer des anges. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que c'est que cette âme répugnante? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise odeur? Et ils vont dire, c'est Foulen ibn Foulen. Et ils vont l'appeler avec les plus mauvais prénoms qu'il a été appelé, dont il a été appelé ici-bas, wal'ayyadu billah. Et ils vont arriver au premier ciel. Ils vont dire, est-ce qu'on peut rentrer aux anges? Est-ce qu'on peut rentrer? Ils vont dire, quelle est cette âme répugnante qui sent mauvais?
et ils ne donneront pas l'accord pour qu'elle passe le premier ciel et qu'elle rentre au premier ciel. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau rentrera dans le chat d'une aiguille. Le fil, ou plutôt l'aiguille, le petit trou qu'il y a, que lorsque le chameau, ce qui est impossible, ici rentrera dans le trou d'une aiguille, wal'iyadhu billah, et ensuite elle sera lancée violemment jusqu'à la tombe, et elle sera pénétrée dans son corps, et à ce moment-là, on assoira la personne, elle sera assise, et à ce moment-là, on lui posera les trois questions. Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé? Et il dira, la adri, comme a qala alayhi salatu wassalam. Comme a dit le prophète, ces termes, la adri, il sera choqué. Ils vont dire, quel est ton Seigneur? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont dire, quel est cet homme qui a été envoyé? Ici, il dira, la adri, la adri. Bien qu'il ait entendu parler de Muhammad alayhi salatu wassalam, bien qu'il ait entendu parler d'Allah, bien qu'il ait entendu parler de l'islam, peut-être même qu'il se disait musulman, voilà qu'ici Allah a décrété qu'il sera en enfer, peut-être parce que ici il n'a pas prouvé ce qu'il disait avec la langue à travers ses actions, c'était un menteur, et il dira, tu es un menti, wal'iyadhu billah, kama warada fi hadha al-hadith. Tu es un menti. Et ensuite, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va ordonner que sa tombe devienne très, très, très étroite, jusqu'à ce que ses côtes, wal'iyadhu billah, s'embrassent l'une avec les autres. Ses côtes, wal'iyadhu billah, entrent une sur l'autre. Et il sera ici broyé par sa tombe, wal'iyadhu billah, tellement que sa tombe sera restreinte. Et à ce moment-là, il dira à Allah Azza wa Jal, ouvrez-lui une fenêtre. Ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Et là, il sentira le feu, la chaleur de l'enfer, wal'iyadhu billah. Et là, un homme viendra et il dira, ici, je t'annonce la mauvaise nouvelle. Il dira, qui es-tu? Tu me fais peur, tu me traumatises, qui es-tu? Et il sera moche. Et il sentira une mauvaise odeur, wal'iyadhu billah, il dira, moi je suis tes mauvaises actions, je suis ta désobéissance envers Allah, je suis ton insouciance. Tu te rappelles quand on te disait de mettre le hijab, tu diras, après j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait fais la prière, j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait ittaqillah, tu dis laisse-moi tranquille. Eh ben moi je suis tes mauvaises actions. Et là tu seras traumatisé, et là tu seras choqué, wal'iyadhu billah. Et là ils te diront, reçois la mauvaise nouvelle. Reçois un châtiment de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et il dira, Ya Rab, mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ya Rab, ne fais pas venir l'heure. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il commence à être châtié dans la tombe, ce qui va venir après, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme je l'ai cité précédemment, ne pourra être que plus dur encore. Ne pourra être que plus dur encore, wal'iyadhu billah. Voilà le croyant et le mécréant. Choisis ton camp, ya Abdallah. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, fafirru ilallah, fuyez vers Allah. Il ne dit pas aller vers Allah. Fafirru ilallah. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps d'être paresseux, de rester en arrière, de dire inshallah quand j'aurai le temps. Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah. C'est-à-dire avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuhal ahibba, comme il relatait dans un hadith authentique, il s'est tenu devant une tombe. Et tellement qu'il pleurait alayhi salatu wassalam, sa barbe était mouillée. Et il regarde les compagnons et il montre du doigt à la tombe et il dit, c'est pour cela que vous devez accomplir. C'est pour cet endroit que vous devez œuvrer. C'est pour cet endroit que vous devez œuvrer. Alayhi salatu wassalam. Dans un adressé prophétique authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit deux ou trois fois, Ista'idu billahi min azab al-qabr. Ista'idu billahi min azab al-qabr. Ista'idu billahi min azab al-qabr. Ça c'est le prophète. Alors qu'il les voit au paradis, s'il dit ça, il répète ça, c'est qu'il sait que ça va être terrible, ayyuhal ahibba. Il disait, réfugiez-vous auprès d'Allah, cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et il a répété deux ou trois fois, comme il relatait dans le hadith authentique, ayyuhal ahibba. Si le prophète a dit ça aux compagnons, alors que les compagnons sont parmi les meilleurs ou non, c'est les meilleurs des créatures sur la surface de la terre. Après les envoyés, les prophètes, que dire de nous? Que dire de moi le premier, ayyuhal ahibba, qui péchons de jour comme de nuit? C'est pour ça qu'on doit augmenter les invocations et lever nos mains au ciel de jour comme de Dieu et de jour comme de nuit et de dire Ya muqallib al qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh toi qui tourne les cœurs, laisse notre cœur dans la religion. Et tu dois augmenter les invocations et particulièrement cette invocation. Allahumma arzuqna husna al khatima. Allah donne-nous une bonne fin. Allah ressuscite-nous avec les pieux. Allah accorde-nous le paradis. Accorde-nous al firdaus. En illumine nos tombes arabes. Tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour tout ce qui concerne l'au-delà, ya Abdallah, et ne pas faire comme les insouciants qui ne cessent que demander les choses d'ici-bas. Je veux une belle voiture, je veux une belle femme, je veux une femme vertueuse, je veux un bel appartement, je veux de l'argent. Et de temps en temps, il invoque Allah pour l'au-delà.
Alors que cette dunya, ayyuhal ahibba, c'est quoi? Il suffit de voir le hadith authentique où le prophète a pris Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il lui a frappé dans l'épaule et il lui a dit « Kun fi dunya ka annaka gharib ou abirus sabil » Soit dans la vie d'ici-bas, comme quelqu'un d'étranger ou comme un voyageur. Billahi alayk, si je te dis « Construis une maison ici avec tes propres mains et je te donne un plan et tu sais que cette maison, elle demandera 10 ans de travail. » Mais ensuite, je te dis, malgré que tu vas faire des efforts et que tu vas fournir de l'argent et que tu vas construire cette maison et qu'elle va venir à terme, au bout de 10 ans, cette maison, on va la détruire. Tu vas dire quoi? Moi, je ne suis pas un fou pour faire ce que tu m'as demandé. Et si je te dis, ya Abdallah, que tout ce que tu as entre les mains et tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu es en train de construire, fawarabbil ka'ba, c'est voué à perdition et à éphémérité. Sauf ce que tu as fait pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Sauf ce que tu as devancé pour satisfaire Allah azza wa jal. Ça, tu le retrouveras auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa al-rashidin al-mahdiyin. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب القبر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم لا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من المتقين برحمتك.